est la plus performante dans l'émission. Ce sont des données dont la solennité ou des événements militaires. La musique de la guerre est musicale donc qui est conviée ce jour pour l'hommage national des forces de défense et de sécurité à nos frères d'armes et aux chefs d'honneur. Force favorable ou force fidèle à Laurent Gbagbo, voici la nouvelle dénomination des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Dénomination attribuée aux éléments du général du corps d'armée, Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, par les détracteurs de la Côte d'Ivoire, déçu de ne pas voir l'armée de Côte d'Ivoire, la vraie, la seule président élu, Laurent Gbagbo. Ces éléments étaient là en 2002. Quand les déserteurs de l'armée régulière, associés aux mercenaires de la France, ont attaqué le régime démocratiquement élu de Côte d'Ivoire. Ceux-là sont ceux qui ont perdu 32 des leurs lors des événements post-électoraux en Côte d'Ivoire. Ces forces, qu'on dit fidèles à Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, tente depuis longtemps de les rallier à sa cause, mais en vain. Il prétend être le ministre de la Défense de ces forces, force intègre à l'image de leur chef, le général Philippe Mangou. Prétendra être leur chef et les faire attaquer à chaque corridor. Quel paradoxe! Et ça, c'est l'une des nombreuses contradictions des collabos de la France impérialiste en Côte d'Ivoire. Campagne de dénigrement, accusations de toutes sortes, les FDS en font l'objet. On les accuse de tuer des innocents, bien masqués sous leur vraie tunique de rebelles. Mais quand les éléments du SECOS ou de la BAE ripostent, c'est un drame. On condamne ceux qui veulent défendre la patrie. La réalité, c'est que les forces de défense et de sécurité, dont les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, la police nationale de Côte d'Ivoire, les douanes ivoiriennes et les eaux et forêts ne sont pas loyales à Laurent Gbagbo, mais plutôt à la République. Or, les institutions de la République de Côte d'Ivoire, la vraie, sont incarnées par la personne du président Laurent Gbagbo. Solidaires les uns des autres, les FDS sont en phase avec le peuple de Côte d'Ivoire et leur chef suprême. Chaque jour, cette confiance et cette conscience du destin commun et du vécu commun grandit et fait trembler les détracteurs de la Côte d'Ivoire. Les détourner de leur objectif aujourd'hui relèverait du miracle.